plus Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Donc deuxième vidéo consacrée à la chanson Roof Boy du groupe ZZ Top. Donc cette fois-ci nous allons nous intéresser au deuxième solo. Donc n'hésitez pas à vous référer à la première vidéo que j'ai fait sur ce morceau-là dans laquelle j'explique comment j'ai fait pour avoir le son dans l'intro de la vidéo. Voilà, donc alors second solo, donc pareil, n'hésitez pas à télécharger la partition. Elle va vous être, donc la tablette que je mets à disposition sur le site, elle va vous être une grande aide pour voir un petit peu travailler tout ça, notamment au niveau de la mise en place, parce que je ne vais pas forcément vous détailler la mise en place de chaque note, ça serait beaucoup trop long à faire, mais je vais vous détailler un petit peu donc les positions et les phrases pour que vous puissiez un petit peu vous en sortir. Donc voyons voir, donc on va commencer là. Donc là on va démarrer donc la première phrase. Donc là on est sur une pentatonique de Do dièse, Do dièse mineur, donc notre position habituelle, je la rappelle rapidement, mais vous devez la connaître à mon avis à force. Donc pentatonique mineur, 9, 12, 9, 11, 9, 11, 9, 11, 9, 12, 9, 12. Alors, donc on va démarrer par ce premier passage. Alors, je vous explique un petit peu ça. Donc là, je démarre. Là, je suis sur la case doux de l'accord de mi aigu. Donc, je descends après en 9. Donc là, arrivé ici, n'hésitez pas à barrer. Excusez-moi. N'hésitez pas à barrer avec l'index pour pouvoir récupérer la case 9 également aussi. Voilà. Et vous terminez ça avec un bend sur la case 12, un bend de 1 ton. Donc là, au niveau mise en place, ce sont des triolets, 1, 2, 3, donc 3 notes dans le temps. Pour après enchaîner avec cette partie-là. Je refais encore une fois. Voilà, la partie qui accélère, en fait, c'est... C'est à partir, lorsqu'on revient à partir de la case 9 de l'accord de mi, on tourne pareil. N'hésitez pas à prendre ça avec de l'aller-retour, vous serez beaucoup plus précis. Donc là, on est en 9. On fait un bend de 1 ton sur l'accord de sol à la case 11. On va terminer ça avec un pull-off à la case 11. On peut très très légèrement bender pour donner un petit peu du style à la note. Voilà, je refais encore une fois doucement. Seconde partie de la phrase. Alors, je vais détailler un petit peu ça. Donc là, je pars à la case 11 sur les cordes ré et sol. Je récupère la case 9 en sol. À nouveau un bend de 1 ton. Là, la case 11, elle est doublée sur la corde sol. Avant de faire le bend. Ensuite, c'est une fin d'enchaînement comme ça. Alors, je reprends un petit peu donc ce passage depuis le départ. Encore une fois, plus doucement peut-être. Ensuite, là, il y a un autre, vous pouvez un petit peu la slider pour enchaîner sur la suite. Alors, ce passage-là, donc ensuite, là, on va changer un petit peu de pentatonique. Donc, c'est toujours la même position, sauf qu'on va la prendre pour pouvoir être au niveau de l'accord rythmique, ça passe en fa dièse mineur. Donc, la même position, mais qu'on va jouer à la case 14. Donc, au niveau de la position, donc 14, 17, 14, 16, 14, 16, 14, 16, 14, 17, 14, 17. Donc, je reprends un petit peu donc, la phrase qu'on va jouer sur ce passage-là. Donc, là, vous allez voir que ici, ça peut être pas mal. Bon, si vous préférez faire de l'aller-retour, vous pouvez. Moi, sur ce passage-là, j'ai préféré sweeper. Bon, là, c'est un petit peu comme on le sent. Donc, je reprends un petit peu ce passage. Donc là, on arrive sur un bend sur l'accord de sol à la case 16. Toujours un bend de 1 ton d'ailleurs. Donc là, ensuite, un plan qu'on rencontre très très souvent, un bend, le relâchement du bend suivi d'un pull-off derrière.
Donc là, comment est-ce qu'on va réaliser ce passage-là? On fait donc là, alors surtout les bends, n'oubliez pas, hein, bendez jamais, surtout un bend avec une note qu'on va placer avec l'annulaire, avec le troisième doigt. Ne bendez jamais avec un seul doigt, toujours avec, c'est ce que je vous dis à chaque fois, toujours avec trois doigts, tant qu'à faire. Donc pour pouvoir réaliser ce passage-là, on fait, donc là on est sur la case 16, on fait le bend, on relâche le bend, et lorsqu'on relâche le bend, en fait, il faut s'arranger pour relâcher en même temps le majeur. Pour ensuite faire le pull-off, qui va être reçu par l'index qui est placé sur la case 14. En fait, on a un coup de méator pour cet enchaînement-là. Alors, je refais un petit peu donc cette phrase-là. Et là, ouais, le truc. Donc là, je fais simplement, je donne un coup de méator vers le... Je remonte sur les trois cordes. Ensuite, alors, le passage qui va suivre. Donc là, toujours avec notre position pentatonique, hein, on n'en sort pas depuis tout à l'heure. Là, on est avec un barré sur les cordes si et mi. À nouveau un bend. Là, je fais un bend. Je fais un bend en 17 avec le troisième doigt sur la corde, case 17 sur la corde du si. Un petit peu le même plan qu'on retrouve dans le premier solo. Au niveau, c'est exactement la même mise en place, on commence sur le temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, donc 6 notes dans le temps. Pour terminer sur le temps, sur la deuxième attaque de la corde Ré qui est en case 16. Donc là on est purement une descente pentatonique. Ensuite, hein. Alors par rapport à ce passage là, donc là on va... au niveau accord, au niveau de l'accord, on passe sur un 6-5. Donc là, au niveau de la position, toujours la même position, mais cette fois-ci décalée à la case 7. Donc 7, 10, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 10, 7, 10. Donc là, on commence avec un passage très, 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 très bluesy. On trouve souvent ça en blues, ce genre de passage comme ça. Donc là, je suis sur la case. Alors, au niveau doigté, moi, je fais ça avec le petit doigt sur la corde mi aigu à la case 10 et le troisième doigt sur la corde si à la case 9. On va dire, et on bend légèrement. On bend légèrement le troisième doigt sur la corde si. On termine ça sur la corde mi à la case 7. Voilà. On fait ensuite un bend à la case 10 sur la corde si. Ensuite, pareil, passage qu'on trouve très très souvent chez Billy Gibbons. Donc là, on est 7 sur la corde mi aigu, 10 sur la corde si, 7 sur la corde si. On revient à nouveau sur le bend de la corde si. Corde si à la case 10. Donc cet enchaînement là qu'on va enchaîner deux fois de suite. Alors passage assez classique aussi en blues. Donc là on démarre sans le temps. On démarre sur le temps, donc à la case 7 sur la corde mi aigu. Pardon, excusez-moi. Donc case 7, ensuite on est en 10 sur la corde si. 7 sur la corde si. Et là, ce qu'on va faire, pour pouvoir gagner un petit peu de la vitesse dans l'enchaînement, on va enchaîner ça avec deux pull-off. Là, je suis sur là. Donc là, cette fois-ci... Vous voyez qu'on passe, avec la gamme 12, dans ce passage-là. Donc alors, je reprends un petit peu ce passage-là. Le passage où ça accélère avec la petite side pull-off. Donc on est sur la corde sol en 10, pull-off en 9, pull-off en 7. Et c'est
Ce sont les deux pull-offs qui nous permettent de pouvoir gagner un petit peu de vitesse d'ailleurs. Parce qu'au niveau, au niveau mise en place, on démarre donc sur le temps ici, la cassette sur la corde mi aiguë. Et on tombe à nouveau sur un temps. On tombe à nouveau sur un temps lorsqu'on tombe sur la casse 9 sur la corde de sol. Ça fait temps et sur le temps ici. Et on termine. Une espèce d'aller retour comme ça sur la corde, sur les cordes sol et ré en casse 10, 9 pardon. On termine. Sol casse 7 et on termine sur la corde ré à la case 9. Donc ça c'est vraiment une phrase typiquement bluesy au niveau du style. On terminera avec ce passage là. Encore, je refais un petit peu ce passage là. On slide après. Ensuite, alors, à peu près deux fois la même phrase qui se répète avec une mise en place un petit peu différente. Donc là, au niveau de la tablature, là je suis à la mesure 12. Ah, donc là on revient sur la pentatonique. La pentatonique, l'accord. On vient à nouveau sur l'accord de Fa dièse mineur. Avec cette position là. Donc je ne vous la réexplique pas, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est là dont on la mène. Alors pour pouvoir faire ce passage là. Donc là, je suis avec. Je suis au niveau de votre T, je suis avec le petit doigt sur la case 17 de la corde si. Alors, le même plan qu'on a vu tout à l'heure avec le bend, le relâchement du bend et le pull-off sur l'index de la corde de sol en case 14, à la case 14. Ensuite, on vient barrer sur la corde. Sur les cordes Ré et Sol en case 16. On laisse un petit peu prolongé la note de la corde Sol en case 14. On termine ça avec un hammer en 16. Donc je refais. Doucement. Deuxième fois. Et voilà. Sur la deuxième fois, en fait, il la prolonge un petit peu. Il la plonge avec un bend dans 16 sur la corde sol. Ensuite, on va venir sur la corde si en case 14. On termine avec un bref pull-off en 16, toujours sur la corde si. Voilà, je refais un petit peu ce passage là. Donc, mon premier passage. Second passage. Le bend et on termine comme ça. On arrive donc sur la grille suivante à la mesure 14. On va commencer par cette phrase-là. Alors, je recommence un petit peu plus doucement. Donc là, je suis avec un bend donc, sur la corde si en case 8. Alors, pour façonner ce passage-là, en fait, là, je fais simplement un barré avec l'index sur la case 5. Je viens légèrement bender la corde sol à la fin. Je récupère avec le troisième doigt la corde sol en case 7. Et après, vous allez pouvoir faire un bend un petit peu plus poussé, un bend de 1/2 ton avec l'index sur la corde sol en case 5. Voilà. Et vous terminez ça avec un barré après. Là, ça peut être pas mal éventuellement, ça de faire avec un barré. Peut-être plus facile avec deux doigts, avec les doigts 4, troisième doigt, quatrième doigt. Peut-être plus évident comme ça. Voilà. On est sur la case 7, sur les cordes Ré et La. Alors je reprends un petit peu ce passage-là. Et on vient slider vers le haut. On vient faire un slide à la fin vers le haut du manche. Voilà.
pour cet enchaînement-là, donc là, pour une fois, on va travailler avec une autre position pentatonique. Donc là, on est toujours sur une pentatonique de fa dièse mineur, mais cette fois-ci avec une position un petit peu différente. C'est bien de connaître un petit peu vos autres positions, de pas rester cantonné à cette position-là. Donc là, la position sur laquelle on va jouer la suite, donc je vous la détaille un petit peu. Donc là, on est sur la case, là je suis en 9, en mi grave, 9, 12, 9, 12, 9, 11, 9, 11, 10, 12, 9, 12. Voilà. Et si vous voulez la voir à partir de la fondamentale, donc à partir du fa dièse, vous pouvez la démarrer avec la case 9 de la corde de la. Ah, donc je reprends un petit peu donc, la phrase qu'on va jouer à cette position-là. Donc on démarre avec un slide sur la corde Ré à la case 11. Pull-off en 9. Le même principe, au niveau pull-off sur la corde Sol de 9, de 11 à 9 également. Ensuite, vous voyez que on reste vraiment avec la position dont je vous ai parlé précédemment. Je reprends. Donc pareil, donc pas mal de pull-off par rapport à cette phrase-là. Alors pour faire ce passage-là, donc là on va faire un bend sur la corde Si à la case 12. Bend de 1 ton. On récupère. Excusez-moi. On récupère à nouveau la case 12, c'est sur la corde Mi aiguë cette fois-ci, en maintenant le bend. Ensuite, on relâche le bend. Alors, je refais un petit peu donc tout ce passage-là. Pull-off. On prend. Ça, c'est la partie suivante d'achever la mesure en 19. Donc là, on est avec un bend sur la corde Si, case 12. Toujours le même principe. Petite saillie de bend, toujours en 12, corde Si. On termine comme ça. Alors je reprends un petit peu dans l'ensemble de cette phrase qui est quand même assez répétitive. Alors ensuite, on vient à nouveau sur notre fidèle position ici. Alors, donc là on est sur la corde, on est sur, on arrive sur la case 5, donc avec sur les cordes Si et Mi aiguë. Alors que je vous détaille un petit peu donc ces différents passages là. Donc là on va slider jusqu'à la case 10 sur la corde Si. Ensuite, alors dans la version que j'ai faite sur l'intro, donc sur la vidéo, donc là je suis sur la case 12 de la corde Sol, je viens simplement slider, ensuite je récupère ma corde la vide. Donc ensuite, alors je refais un petit peu ce passage là. Là j'arrive avec un barré donc sur les cordes Si et Mi aiguë avec A5 pour cet ensemble de notes là. Là vous allez venir slider toujours la même position avec le barré jusqu'à la case 2 et on
on va venir ici bender après sur la corde si avec A5. Alors je refais un petit peu donc tout cet enchaînement là depuis le départ. Pour ce passage là, donc là je suis à la mesure 24 en fait pour attaquer sur la mesure 25. Alors une phrase qui n'est pas forcément évidente à mémoriser, j'ai mis un petit peu de temps avant de réussir à la choper pour faire la vidéo. Donc là on est d'ailleurs au niveau de la position, donc on est sur notre position, donc on retrouve à nouveau notre position habituelle en fa dièse mineure. Donc 2, 5, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 5, 2, 5. Alors je vais la refaire un petit peu plus doucement. Donc là on a un bend sur la corde de sol avec As 4. On a pas mal d'harmonie sur toute cette phrase là. Je refais doucement. Donc là je viens de barrer avec le troisième doigt sur la cascade entre corde sol et les cordes ré. Alors mémorisez bien au niveau du passage de notes. Donc là, ensuite on a un bend de 1 ton sur la corde sol. On récupère la corde si sur la corde, donc la corde si à la case 5. Donc très très pentatonique hein, tout ça. À nouveau le bend. On termine la phrase avec A2 sur la corde sol. Alors, je vous la refais. Encore une fois. Voilà. Encore une fois plus doucement. Là on arrive sur la mesure 27. Donc toujours avec la même position. Je vous refais encore une fois. Donc là on va juste faire un bend d'un demi-ton en 4 sur le corde sol. Donc là on a un petit peu le principe qu'on a vu un petit peu précédemment. Bend d'un demi-ton, on relâche le bend, pull off à la case 2. On termine ça avec un barré sur la case 4 entre corde ré et corde sol. Ensuite, alors j'en fais ce passage là. On va venir slider jusqu'à la case 6 de la corde sol. On vient en arrière pour venir à la case 4. Je refais l'enchaînement qui suit. Ensuite, alors, on a un long passage qui va sonner comme ceci. Etc., etc. Donc là, au niveau doigté, moi je fais ça. Alors, l'index sur la corde si à la case 5, le majeur sur la corde sol à la case 6, et vous allez jouer les deux cordes simultanément. Alors, c'est que des doubles croix, donc 4 notes par temps, 1, 2, 3, 4. On va jouer deux fois le même passage d'affilée. Au niveau du médiator, moi je fais bas, 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 haut, deux fois de suite. Vous pouvez refaire un slide après sur la seconde fois. Voilà. Ensuite, on va enchaîner ça comme ça. Après, c'est une boucle qui va tourner toujours de la même façon et qui va durer deux mesures.
Donc il faut bien repérer le nombre de coups de façon à ne pas déborder, à ne pas être trop long. Et vous tournez. A chaque fois, en fait, ça fait... On a deux attaques sur la corde de sol. Et une attaque sur la corde de si. Ouais, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc évidemment, si vous respectez les retours, comme on a trois notes, ça s'inverse une fois sur deux, mais c'est pas spécialement gênant. Alors n'hésitez pas à faire un petit peu vibrer vos cordes si vous voulez avoir un petit peu le même feeling que sur l'original. On va terminer ça après. Donc trois fois, 1, 2, 3. Avec un noir sur la corde si à la 7. On termine après. On est sur notre position d'origine. Donc je refais un petit peu ce passage là. Sur notre position de tout à l'heure. Bon, rappelez-vous, pas mal d'harmoniques. Ensuite, alors, petite montée sympathique. Donc là, on est case 2. 2. À chaque fois, on va faire des hammers sur la case 4. 2, 4, 2, 4. On va attaquer sur deux cordes simultanément sur la corde de sol ici, toujours avec le hammer en 4. Toujours avec la même position. Là je suis à la mesure 34 sur ce plan là. Alors je refais un petit peu ce passage. Ça va se terminer. Et je refais un petit peu l'histoire de l'harmonique tapée dont je vous ai parlé dans la première vidéo. Alors je refais un petit peu donc, ce passage-là. On termine sur la corde mi grave pour après changer à nouveau de grille. Alors, la dernière grille maintenant qui démarre à la mesure 38, c'est quand même un solo assez long. Alors, on reprend exactement le même plan qu'on avait vu précédemment. Alors, je vous le refais un petit peu doucement. Donc, ça, le plan il dure une mesure. Donc, à nouveau, pareil, exactement le même principe du médiator que tout à l'heure. Deux fois de suite. Et on termine avec la même position, on peut venir slider vers le haut du manche. On démarre. Alors pour ce passage là en fait, le passage que j'aime beaucoup, il alterne parfois Billy Gibbons avec un jeu au doigt qui donne vraiment une sonorité très très sympathique. Donc là vous voyez, le truc c'est que donc là on est sur la corde de ré, on va slider jusqu'à la case 6 de la corde de ré, et là vous pouvez faire ça soit avec l'annulaire, soit avec le majeur. Moi j'aime bien, peu importe, là, je vous parle de la corde si en fait. Donc soit le majeur, soit l'annulaire au niveau de la main droite, avec toujours le médiator en place. Alors, je reprends un petit peu donc cette mesure. Ouais, je refais un petit peu. Alors, éventuellement, je place bien pour que vous puissiez bien voir au niveau de la main droite ce qui se passe. Là, je vais simplement passer sur la corde si, j'utilise un doigt de la main droite. Ensuite, donc là, je suis au niveau position. On va faire un barré sur les cordes si et mi aigu à la case 4. Là, le majeur.
Le majeur sur la case 5 de l'accord de sol. Anulas avec le troisième doigt sur la case 6. Et là, pareil, toujours avec cette histoire du brick picking. Là, je récupère avec soit, comme tout à l'heure, annulaire ou majeur, l'accord de mi aigu qui est prise avec le baryon 4. Et là, ensuite, dans ce qu'on peut faire, vous avez le temps éventuellement pour renforcer un petit peu ce côté picking sympa. Vous avez le temps donc, d'escamoter le médiator. Donc, j'ai déjà expliqué ça dans la vidéo du solo de la grange. Le truc, c'est que on peut venir escamoter le médiator comme ça. Donc là, je le cale entre le majeur et l'index pour pouvoir un petit peu donc, libérer les doigts. Ouais. Là, du coup, l'accord de sol, je vais la prendre avec le pouce. Et l'accord de mi aigu, je la prends avec l'index. Donc, je refais un petit peu ce passage-là. Bon, je reprends un petit peu. Je refais. Là, je libère. Et là, avec le petit doigt, je récupère au niveau doigté la case 7 de l'accord de si. J'en prends l'accord de sol qui est pris en case 6. À nouveau le hammer. Et là, je joue simplement corde sol à la case 6. Donc, ça donne un petit peu donc, cette position-là au niveau de la main gauche. Case 6 avec le troisième doigt. Et avec le petit doigt qui est pris en 7 sur la corde de si. Alors, je rejoue un petit peu donc, cet enchaînement-là en ralentissant un petit peu. Là, je passe. La fin. Alors, donc, cette dernière phrase. Donc, tout va jouer sur l'accord de si et l'accord de mi. Donc là, on alterne entre l'accord de si à vide, accord de si à vide, case 5, case 3. Même plan. On arrive jusqu'à la case 2. Là, jusqu'au corps à vide ensemble. Et ensuite, là, c'est ce qu'on a au niveau de la phrase, au niveau du décrescendo, au niveau du volume. Donc on vient alterner entre l'accord de si à vide et une note qui se décale sur l'accord de mi aigu. Donc on est d'abord en 2, 4, 5, jusqu'en 7. Et on revient 5, 4 et 2. Donc je refais un petit peu donc, tout ce passage-là. Donc là, ça nous fait l'ensemble de notre solo. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à télécharger la partition, ça va vraiment, vraiment vous aider pour faire un petit peu de travail solo dans de bonnes conditions. Et donc, un morceau assez long, je pense que ça peut être intéressant éventuellement. Je vais enfin un concours, enfin un concours. Je vais vous fournir un petit peu la grille du solo, je pense que ça peut être pas mal. Histoire de faire un petit concours impro, c'est un petit peu à la mode sur internet ces temps-ci, pour faire un petit peu travailler la grille, vous donner un petit peu donc, des idées, etc. Pour vous éclater un petit peu sur ce solo, après l'avoir éventuellement travaillé pour les plus courageux. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter bon travail et à vous dire à une prochaine. Bossez bien, bye bye.